Bonjour tout le monde, bonjour les amis, c'est Maddy. Alors, si je ne me trompe, on est aujourd'hui le 17 juillet, donc lundi. Et donc, voilà. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que tout va bien pour vous. Alors, déjà, bienvenue aux nouveaux abonnés. Il y a eu un bond en avant, alors ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Bienvenue sur cette chaîne qui est dédiée vraiment à la cause animale, c'est-à-dire qu'en fait les revenus de la chaîne, les revenus publicitaires, eh bien sont reversés sur la plateforme animale que vous trouvez en dessous la vidéo. C'est là où je fais mes dons. Et donc j'ai publié les dons effectués au mois de juin, mais sachez en fait que les dons se font tous les mois. Voilà. J'ai fait ça dans un souci de transparence pour éviter les commentaires désagréables sur les vues que je peux faire par rapport à certaines vidéos. Bon. Il faut aussi que je vous dise que toutes les semaines, je mets une bougie pour la communauté, comme je vais à l'église. Voilà, je pense toujours à vous et je demande toujours la santé. Alors la santé physique, la protection et puis la force spirituelle et morale. Voilà, que des belles choses. Bien, alors aujourd'hui, on va faire un cold case. Oui, on me l'a demandé et puis c'est vrai que je m'intéresse beaucoup aux disparitions d'enfants depuis un certain temps pour retrouver les aspects astrologiques que je connais. Donc j'essaierai de vous préparer un truc, mais bon, ça me prend du temps, hein, c'est du travail. Mais enfin, j'essaierai quand même de vous donner les périodes où il peut y avoir des risques pour les enfants. Après, évidemment, c'est comme la foudre, ça vous tombe dessus ou pas. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a certains thèmes qui sont malheureusement déjà, comment dire, un petit peu maléficiés. Ah, j'ai le chat qui va me rejoindre. C'est-à-dire qu'il y a des risques dans le thème déjà à la base. Alors pourquoi, je ne sais pas. Pourquoi certains et pas d'autres, je ne sais pas. Je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses. Mais c'est vrai que les thèmes des victimes et les thèmes, on va dire, de personnes qui ne sont pas victimes sont vraiment différents. Donc il y a des aspects qu'il faut savoir reconnaître. Et quand il y a les transits, eh bien, qui matchent avec les aspects de, par exemple, d'enlèvement ou de choses comme ça. Eh bien, effectivement, là, l'événement d'enlèvement se produit, par exemple, hein, ou d'agression. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est vrai que moi, je peux voir les aspects de transit. Après, est-ce que ça peut tomber sur telle ou telle personne? Là, ça dépend du thème de la personne. Alors, oui, donc, j'étais en train de dire qu'on va faire un cold case. C'est celui du petit Yanis Moré. Alors, j'ai pris des notes, hein, pour ne rien oublier. C'est un petit garçon de 3 ans qui a disparu il y a 34 ans maintenant, hein, puisqu'il a disparu le 2 mai 1989 dans le même département que là où a disparu le petit Émile, hein, les Alpes de Haute-Provence, ce qui est curieux. Je fais attention que le chat fasse pas de bêtises. Et donc, il était en train de s'amuser avec ses 3 autres frères, hein, c'était le plus petit, lui, il avait 3 ans. Et ils étaient tous en train de construire une cabane dans le jardin. Voilà, une cabane dans les arbres, hein. Bon, on connaît, hein, on a tous fait ça quand on était enfant. Et à un moment donné, eh bien, les deux frères aînés sont retournés à la maison, alors pour faire, bon, c'est pas quoi, hein, peut-être aller aux toilettes, peut-être aller boire quelque chose ou manger, peu importe. Et il y a un des frères qui est resté près de la cabane. Et donc, eh bien, le petit Yanis, lui, il a voulu suivre les deux frères qui sont rentrés à la maison. Mais il n'a jamais atteint la maison, il a disparu. Alors, on parle d'une distance de quelques mètres, hein. Peut-être une dizaine de mètres, une vingtaine de mètres, mais pas plus. Et c'est justement sur cette distance où il a disparu. Alors évidemment, comme c'est un cold case, vous vous doutez bien qu'il n'a jamais été retrouvé. Mais le 1er octobre 1990, donc plus d'un an après, hein, eh bien, les vêtements et les chaussures du petit Yanis ont été déposés à un endroit qui avait déjà été fouillé. Donc un endroit qui se trouve à peu près une centaine de mètres de la maison. Donc les vêtements ont été laissés là. Et sur ces vêtements, on n'a absolument rien trouvé. Aucune trace de sang, aucune trace d'ADN, rien. Voilà. Donc on va essayer de voir un petit peu déjà si j'arrive à trouver peut-être des informations sur la personne qui l'a enlevé, parce que c'est évident qu'il a été enlevé. Mais pas besoin de là de se poser la question, hein. Et voir pourquoi est-ce que les vêtements ont été rendus, par exemple. Alors, pour ça, je vais prendre mes deux jeux de haut. Oui, alors, vous me demandez tout le temps, ben, c'est le jeu de haut, voilà. Alors, c'est pas un jeu de voyance, hein. C'est un jeu qu'on utilise normalement, justement, pour les enfants, souvent, ou les adolescents, ou même, en général, pour les adultes, hein. Enfin, bref, pour tout le monde, voilà. Mais plutôt pour des causes psychologiques. On essaie d'avoir un petit peu ce qui se cache au niveau de la psychologie ou de l'inconscient.
Et je vais prendre mes grandes cartes. Donc, c'est pas un jeu utilisé en voyance, mais bon, on peut, hein, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut prendre n'importe quel support en voyance. Hein. Vous pouvez même prendre votre marque de café, ce que vous voulez. On peut utiliser n'importe quel support. Alors, j'essaie de me replonger dans la pensée à l'époque, donc du 2 mai 1989. Donc, il a dû être enlevé entre 9h et 10h. Hein. En plus, la mère regardait par la fenêtre. Voilà, quoi. Et elle n'a pas vu. Hein. Elle n'a pas vu le petit garçon. Elle n'a pas vu être enlevé ou quoi que ce soit. Donc, il y a vraiment un mystère. Alors, vous avez remarqué, ou peut-être pas, que j'ai deux paquets de jeux de haut, parce que j'en ai un alors qui glisse plus que l'autre, d'ailleurs. J'en ai un qui est neuf, et j'en ai un qui est ancien. Et dans celui-ci, j'ai laissé les cartes, on va dire, comment dirais-je, qui ne sont pas à mettre entre toutes les mains, voilà. Parce que j'en ai besoin de ces cartes-là, si jamais il y a eu des agressions. Bon, vous finirez le mot, que je ne prononcerai pas. Donc, il y a des cartes de genre, là. Voilà, je les ai enlevées dans l'autre. Hein. Alors, on y va. Le petit Yanis, est-ce qu'on peut me répondre sur ce qu'il s'est passé donc le 2 mai 1989, entre 9h et 10h. Alors, je ne vous ai pas dit où ça a eu lieu. Ça a eu lieu dans la ville de Ganagobi. J'espère que je prononce bien. Ganagobi. Et si je ne me plante pas, c'est pas très loin de la ville Le Vernet, où a disparu le petit Émile, une soixantaine de kilomètres. Bon, vous pourrez vérifier, hein. Mais c'est pas très loin, en fait. Hein. C'est le même département. Hein. Donc, alors, le petit... Alors, je me plante de petit garçon. Hein. Le petit Yanis. Hein. Le petit Yanis. Donc, lui, il est brun. Enfin, ouais, il est brun. Aux yeux foncés. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On y va. Alors, là, ouais. Alors, là, c'est les supporters. Donc, des choses que l'on fait ensemble. OK. Et il y a un serpent. Bon, d'accord. Un danger qui menace dans une entreprise que l'on fait ensemble, où on soutient quelque chose. Bon, ça, c'est à mon avis, c'est les enfants qui jouent ensemble. Hein. Ils s'entraident, puisqu'ils étaient ensemble à quatre, donc, pour construire la cabane. Mais vous voyez, il y a un serpent, là. D'accord. Alors, le serpent, c'est un ennemi, hein. C'est un danger que l'on ne voit pas. Alors, le petit Yanis. On va essayer de voir ce qui a pu lui arriver à l'époque. Donc, je pense bien à lui. Voilà. On va voir ce qui sort au milieu. Ok. Alors, les moutons qui rentrent dans l'enclos. Un miroir. Une voiture. L'étranger et un goût. Ok. On va remettre des grandes cartes dessus. Ouais, on va remettre des grandes cartes dessus. Bon, c'est pas obligé, hein. Parce que pour moi, les cartes sont très intéressantes, hein. Mais bon, allez, on va le faire quand même. Je veux dire, on n'a pas besoin normalement de recouvrir des cartes comme ça. Mais on va le faire quand même. Et vous avez la notion de distance ici et là quand même, hein, de mouvement. Hein. Intéressant. Hein. Et là aussi d'ailleurs. On va regarder. Alors, le petit Yanis. Pour l'instant, il n'est pas ressorti, hein, le petit garçon. La carte que j'ai ici, c'est deux personnes dans une voiture. Bon. Alors, une attaque. Ok, je vous ferai l'interprétation après. Prendre, d'accord. Partager, ouais. Attitude, et là, succès. Bah, succès et go, ça va ensemble. Bon, go, même si vous ne parlez pas anglais, vous savez que ça veut dire le signal d'y aller. Ok, bon. Alors quand même, on a tout de suite une carte qui sort ici avec l'attaque. Attaque quand on fait rentrer les moutons dans l'enclos. Bon, alors les moutons dans l'enclos, évidemment, on peut y voir le moment où les deux frères reviennent à la maison, ici. Et l'attaque s'est effectivement produite, donc l'enlèvement, hein, au moment où les deux frères rentraient à la maison. D'accord. Vous avez ici prendre, prendre, mais avec un miroir. Donc, il y a une tromperie. Donc, il y a bien une tromperie qui a été effectuée. Au moment où le petit garçon était pris, donc enlevé, hein, on aurait pu marquer, prendre, enlevé, évidemment. Excusez-moi, on a sonné à la porte d'entrée, donc je reprends, donc où est-ce que j'en étais?
Oui, j'étais en train de parler du miroir, il me semble. Donc, il y a dû y avoir une confusion éventuellement, une traîtrise. Hein, le miroir, on ne voit pas la réalité telle qu'elle est, puisque la réalité, bah, vous savez que c'est le reflet. Donc, il y a quelque chose ici. On va aller regarder pourquoi j'ai un miroir. Ça me fait penser aussi, en fait, tout simplement, qu'il y a une observation qui a été faite. Hein, parce que le miroir, on regarde. D'accord, ok. Alors, partager et attitude. On ira voir après. Mais ici, ce qui est très facile de comprendre, c'est que l'enfant a été mis dans une voiture. Bon, alors partager, ben on verra après, hein, parce que ça peut vouloir dire. Et attitude, alors attitude, là aussi, il faut voir, parce que c'est attitude, c'est comportement. Mais il y a quelque chose par rapport au lointain ici. Donc on ira regarder aussi. Et succès, ben oui, succès, effectivement. L'enlèvement a été, enfin réussi, a été un succès, l'enlèvement a réussi, oui. Mais il y a quelqu'un qui attendait un feu vert. Hein, voyez. Donc là, on a quand même des cartes aussi de préparation. Puisque on est arrêté à un feu et on attend que le feu passe au vert pour démarrer. D'accord? Donc là, il y avait un signal qui a été donné. Alors, on va regarder. Bon, ok. Je crois que le jeu, il est pas mal sorti, mais j'ai pas encore le petit garçon. Alors, je me concentre, excusez-moi. Hein, c'est les impondérables quand on fait une vidéo. Alors, ok. On va regarder ici. On va remettre une carte sur chaque. Hein. Voilà. On va commencer par ici. Donc, il y a bien un timing qui a été fait. Donc, vous voyez que ça confirme bien finalement la carte de l'observation, de la préparation. Ici, on a des retrouvailles ou une embrassade. Ou alors, éventuellement, on prend. Bah oui, il faut adapter. Évidemment, on prend dans les bras. Moi, je pense que c'est plutôt ça, en fait. On prend dans les bras, donc on enlève. Hein. Vous voyez, la carte, en fait, je viens de comprendre qu'on peut l'interpréter d'une façon ou d'une autre. Hein. Ok, selon le contexte. Ici, il y a un mauvais temps, donc de l'orage. Là, il y a la mère et l'enfant. Attitude, d'accord. Et là, il y a un arc-en-ciel. Alors, c'est aussi un pont que l'on traverse. D'accord, bon, ben, on va remettre une grande carte aussi. Pour l'instant, j'ai pas le petit garçon qui est sorti. Ou éventuellement celui-ci, mais enfin, 3 ans, bon. On n'est plus au sein de la mer, normalement. Hein. Mais je crois que ça parle plutôt du prédateur, ça. Parce que c'est un. Alors, prédateur, je vais peut-être un peu vite, mais en tout cas, une personne qui enlève les enfants, quoi. Bon, après, on ne sait pas ce qui se cache derrière. Hein. Et justement, là, on va aller creuser. Alors, humilié. Ok, j'espère que je ne me suis pas déconcentrée entre-temps. Douleur. Ouais, donc il y a de la douleur là. On prend et il y a de la douleur. Ok. Rêve. D'accord. Femme. Ah ouais, c'est marrant, ça sort une femme et une enfant. Ah, mais vous voyez, hein, si ça se trouve, c'est pas un prédateur. Attendez. Quelque chose ici. Et quelque chose de bizarre, me dit le jeu. Quelque chose de bizarre. Ok. Alors, bon, là, prendre, enlever la douleur. La douleur, on prend dans les bras. On va regarder parce que j'ai un doute par rapport à qui souffre. Est-ce que c'est le petit garçon parce qu'on l'a enlevé à ses parents? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Là, on donne quelque chose à boire. Il y a des questions de croyance. Ok. Ça me plaît pas trop ce que je suis en train de vous sortir là. Se libérer d'eux. Résister. Alors, d'accord. Bon, bah écoutez, le petit garçon lui a donné quelque chose. Hein. On lui a donné quelque chose à boire pour qu'il ne résiste pas, justement. Pour qu'il ne résiste pas à cet enlèvement. Ce qui est curieux, c'est que personne n'a rien entendu. Hein. Aucun cri, voyez. Rien. Donc moi, ça me fait penser que cette carte-là, on prend dans les bras comme ça, avec la main ici. On a dû administrer au petit garçon quelque chose ici, mais plutôt sous forme de seringue. C'est immédiat. Hein.
Ou alors, je suis en train de réfléchir parce que il y a vraiment quelque chose qui est donné ici. Mais je ne crois pas que le ravisseur ait le temps de donner quelque chose à boire à l'enfant. Quand on veut enlever un enfant, soit effectivement c'est avec une seringue, donc tout de suite il perd conscience, parce que là ça a vraiment duré alors quelques minutes, même pas peut-être, un enlèvement c'est très très rapide. Ou alors on lui met un chiffon sous le nez, vous voyez, du chloroforme, des choses comme ça. Mais j'ai quand même la douleur. Donc je me demande si ce n'est pas plutôt une espèce de seringue qui a été donnée ici. Hein, on prend dans les bras et en même temps on administre, voyez, une seringue. Il y a quelque chose ici. Hein. Bon. Alors résister ici à la question de croyance ou d'idéologie. Bon, on ira remettre une carte dessus. Pour l'instant, je ne vois pas. Alors, un rêve que l'on partage, mais qui suscite de l'orage. Donc, un rêve qui suscite une tempête ou un tumulte partagé. D'accord. On va aller remettre une carte ici. Puis après, on fera le reste. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Il y a quelque chose. Ça me parle du ravisseur. Hein. On partage un rêve. Il y a quelque chose qui est choquant. Ok. Parce que partager. Ah, j'ai une carte qui est sortie du paquet, c'est pas grave. J'ai partagé, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes dans l'histoire. Se conformer. Et enfant. Ah bah oui, tiens, ça sort. Bon. Moi, je pense qu'il y avait plusieurs personnes. C'est pas qu'une personne, puisque j'ai un partage. Se conformer. Donc, c'est des choses qui sont habituelles, moi j'ai envie de dire. Donc, des choses habituelles que l'on fait à des enfants. Ici, vous voyez, c'est sorti, je marquais enfant, ado, hein, que l'on attache. Bon. Alors, on a une histoire qui se dessine, hein, ici. Un rêve que l'on partage avec d'autres personnes, puisqu'il y a deux personnes et ce sont des adultes dans la voiture. Un rêve qui suscite une opposition ou un orage, donc qui ne plaît pas à tout le monde. Pourtant, il y a des gens qui s'y conforment, même si c'est choquant. Et il s'agit bien ici d'attacher des enfants. Bon, il y a des choses qui se dessinent, hein, d'accord? Alors, on va essayer de voir pourquoi j'ai résisté avec l'histoire de l'hôtel ici. Ouais, ça me fait penser tout de suite à des choses, hein. Une séparation et encore les enfants sur les bancs de l'école. Ok. Violence. Alors, j'ai changé le mot, hein. Le mot, en fait, normalement, c'est celui-ci. Je l'ai changé pour permettre à la carte de donner plus de signification. C'est pas très bon, hein. Donner. Bon. Ok. J'ai vraiment quelque chose qui se dessine ici. Alors, moi, je peux vous retracer un petit peu l'histoire, en partie, mais je voudrais finir ici. Excusez-moi, j'ai la voix qui part un petit peu. Pour savoir pourquoi il y a une femme avec un enfant. Ok. Mais c'est pas très bon ce qui sort. Hein. Ok. Ah bah tiens. Alors cette carte-là aussi, je l'ai transformée. Et c'est mon jeu. Et puis bah, j'ai tendance à être très libre avec mes cartes. En plus, étant donné qu'on est dans les histoires d'arc-en-ciel, il me semblait que c'était peut-être plus intéressant justement de rajouter une carte à ce niveau. Donc vous voyez, ce qui est marqué dessus, c'est le truc de LG et de PDO. Bon. Alors, je crois comprendre ce qui s'est passé. Alors, bien, reprenons. On a ici quelqu'un qui a attendu, qui a observé l'enfant, puisqu'on a le miroir. D'accord? Je vous les interprète en même temps. On a quelqu'un également qui avait préparé tout ce qu'il fallait pour agresser un enfant, notamment lui donner des substances pour qu'il évite de se libérer. Se libérer d'eux, mais justement, pour pas qu'il puisse se libérer. Hein, parce que les enfants, à cet âge-là, c'est remuant, mais bon. Et puis, voilà, quand ils veulent se débattre, ils peuvent, hein, c'est plein d'énergie. Donc, on a administré, donc il y avait quelqu'un qui était là, qui observait, qui attendait le bon moment pour agir. Qui a donné quelque chose à l'enfant très rapidement
pour que cet enfant ne puisse pas se libérer du fait qu'il ait été enlevé. Cette personne-là a des croyances auxquelles elle adhère. Des croyances idéologiques auxquelles d'autres personnes, au contraire, résistent. Cette personne use de la violence envers les enfants, souvent plutôt à l'école, enfin les petits-enfants, quoi. Parce qu'à l'école, on ne parle pas de collège, là. L'école, c'est jusqu'à 10 ans. Hein, c'est de 6 à 10 ans. Donc, la cible de cette personne-là, pour l'instant, on va essayer de voir la personne en question, la cible, c'est vraiment les enfants du primaire, à l'école. Bon. Et vous voyez que le mot ici, c'est violence, mais ça peut être aussi autre chose. Vous prenez les quatre premières lettres. C'est aussi quelqu'un qui peut donner les enfants, parce qu'il y a séparation, on les met dans un train, ici. On les donne, on les fait partir. Et c'est pour ça que vous avez ici la notion de partage. On partage l'enfant avec d'autres personnes. C'est un rêve qui suscite évidemment beaucoup de controverses et beaucoup de résistances. C'est pour ça que c'est caché. Ça doit se faire de façon cachée. Hein. Il y a aussi la façon dont se conformer. Donc, ce sont des gens qui ont l'habitude de faire ce genre de choses. Et j'ai envie de dire qu'ils ne se conforment pas, se conformer ou pas, puisque c'est très choquant. C'est-à-dire que c'est des choses que nous, on trouve choquantes. Donc, ils ne se conforment pas aux usages, si vous voulez, de la moralité. Mais ils se conforment à des choses choquantes. Peut-être que vous comprendrez mieux comme ça. Il s'agit bien d'enfants, davantage que d'ados d'ailleurs, qui sont emprisonnés. Là où ça devient grave, c'est qu'il y a des femmes, ici, qui mettent au monde des enfants. Et il y a les questions de vendre, puisqu'on a des victimes. Et ici, vous avez des gens qui sont isolés et qui sont arc-en-ciel. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ce petit, il a été enlevé dans le cadre d'un trafic, très certainement, puisqu'il était observé, il était surveillé. La personne a attendu le bon moment pour l'enlever, puisqu'on avait attaque au moment où les frères sont rentrés à la maison. Alors, humilié avec le temps, un peu compliqué à comprendre. Moi, j'ai envie de dire que le temps n'a pas toujours joué en la faveur du prédateur, parce que là, c'est un prédateur, hein, avec les cartes que j'ai sorties, PEDO, mais que, du coup, ça l'a un peu enquiquiné de devoir reporter son projet. Bon, je comprends comme ça, hein. Après, vous pouvez comprendre la carte différemment, mais il y a ici le fait que il y a eu plusieurs tentatives. Bon, il y a eu plusieurs tentatives. Et que la personne a attendu le bon moment, c'est-à-dire que le moment où l'enfant était séparé de ses frères, pour bondir, prendre l'enfant, lui donner quelque chose qui le mettrait donc hors d'état de réagir, l'a emporté, a abusé très certainement de cet enfant, puisqu'on a quand même ici la carte de VI ou L, voire violence, ici, et ensuite a donné l'enfant, qui est ensuite parti. Il a donné l'enfant, donc, qui a été partagé, hein, je suis désolée, mais c'est marqué là, hein, avec d'autres personnes qui ont, comment dire, ont déplacé l'enfant, voilà. Et donc, c'est pour ça que vous avez ces histoires d'attache, être attaché et se conformer. Mais pour eux, en fait, voilà, ils se conforment à des choses qui sont extrêmement choquantes. Donc, ça veut dire que c'est habituel pour eux, en gros. Hein. Ce sont des gens qui sont coutumiers du fait de maltraiter les enfants et de les enfermer et de les ligoter. Donc, c'est un rêve qui est évidemment extrêmement, qui ne correspond pas aux normes morales. C'est pour ça que vous avez la tempête. Hein. Pour eux, c'est leur rêve. Et pour c'est un rêve qui est un cauchemar. Voilà, j'arrive à trouver le mot. C'est un cauchemar, en fait. Hein. Un rêve, vous voyez, un mauvais rêve. Donc, un cauchemar pour les enfants. Bon. Et je pense que dans cette histoire de trafic, il y a des femmes qui sont là, à qui on donne de l'argent. C'est pour ça que j'avais la carte avec le petit enfant ici, à qui on donne de l'argent. Pour que les enfants innocents deviennent des victimes. Victimes de qui? De ces gens-là. Bon, c'est ce que je vois, moi.
Alors, vous avez aussi attitude, vous voyez, attitude avec la carte de l'étranger. Donc, ça veut dire aussi que, eh bien, on est bien dans les histoires de trafic, hein, qui peut aller, eh bien, au niveau européen, voire plus. Hein. Bon, c'est horrible, mais c'est vraiment ce qui est sorti dans mes cartes. Hein. Alors, on peut continuer éventuellement pour voir un petit peu la personne, le ravisseur. Bon, pour moi, c'est un homme, hein. C'est rare que ce soit les femmes qui enlèvent les gosses, quand même. Enfin, ça arrive, hein, mais bon, généralement, c'est quand même des hommes. Excusez-moi, mais c'est vrai. Alors, est-ce qu'on peut avoir des informations sur le ravisseur? Alors, le soleil. Le serpent. Quelqu'un qui est en relation avec les enfants. Le soleil et le serpent. On va voir pourquoi le soleil. Hein. Le soleil, c'est... qui est peut-être connu ou qui ne se cache pas forcément. Hein. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui, voilà, qui, bah, par rapport au petit Yanis qui était dans les environs, vous voyez, que les gens connaissaient de vue, au moins, un voisin quelconque. Hein. Excusez-moi. Ah, quand j'ai la voix qui part, c'est un signe, hein. C'est qu'il y a des choses sensibles. Je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est toujours, ça me fait toujours la même chose. Alors, honte. D'accord. S'accrocher, ouais. Et détruire, ouais, d'accord. Alors, honte, s'accrocher et détruire. Est-ce que c'est la personne a vraiment honte? On peut se demander. Je crois plutôt que c'est, en fait, si ce que la personne faisait était dévoilé, eh bien, ce serait une honte. D'accord? C'est plutôt ça. Donc, c'est bien quelqu'un qui s'accroche en agissant comme un serpent, donc en étant caché, parce que le serpent, on ne le voit pas. Hein. Il serpente dans les herbes, les hautes herbes, et puis il arrive sans bruit. D'où la personne qui s'accroche à ses actes nuisibles, mais de façon, vous voyez, détournée, en zigzag. Et honte si tout cela a été révélé au grand jour. Oui, c'est plutôt ça. Bon, là, il y a bien la notion de détruire, hein, avec, vous voyez, l'adulte qui s'agenouille pour se mettre à la portée des enfants. Donc, c'est vraiment dans un but terrible de détruire les enfants, en profitant d'eux, de la pire des façons. Alors, je ne sais pas exactement cet homme, dans quel domaine, si on peut l'avoir. Ah, il y a encore la question amicale. Hein. Amicale, salle de bain et médicale. Alors, on a salle de bain et médicale et amicale. Alors, est-ce que ça pourrait être un homme, finalement, qui, dans le domaine des soins, parce que dans la salle de bain, on prend soin de soi. Alors, difficile à dire, hein, soin de soi. Il y a des choses comme ça, parce qu'il y a le côté médical. Et tout à l'heure, j'ai parlé d'une piqûre. Hein, vous vous rappelez? On a donné quelque chose à l'enfant. Enfin, on a piqué l'enfant pour qu'il perde conscience très vite. Et donc, ben, pour ça, il faut être en relation avec le domaine médical. Il y a des choses comme ça. Hein. Moi, je me demande si ce n'est pas quelqu'un qui est dans le domaine médical ou qui a des connaissances médicales. Vous voyez, le domaine des soins. Donc, après, ça ouvre la porte à évidemment beaucoup de métiers. Parce que là, on a aussi la question d'être proche ou d'être en contact avec. Vous voyez, mais c'est une fausse mensonge. C'est une fausse amitié, une fausse proximité amicale. Donc, quelqu'un qui serait plutôt proche des enfants. Angoisse. Donc, quelqu'un qui intervient dans les questions d'angoisse. Est-ce que ça peut être un psychologue étranger? Ah ouais, c'est fou ça quand même. Donc, quelqu'un qui peut être en relation avec l'étranger. Alors, reprenons. Donc, c'est quelqu'un qui cache son business, parce que sinon, ce serait un scandale, hein. Honte. On pourrait marquer aussi scandale si cela venait à être connu. C'est quelqu'un qui est plutôt en relation avec les enfants, ou quand, en tout cas qui peut avoir contact avec les enfants, mais évidemment, c'est quelqu'un qui est faux, donc qui montre un visage amical, alors qu'en fait, il ne l'est pas du tout. C'est quelqu'un qui s'accroche aussi à sa méchanceté, hein. Mais aussi s'accrocher, ça veut dire également qui est là et qui attend, parce que accrocher, ça veut dire on ne bouge pas, donc surveiller. C'est quelqu'un qui peut être en relation avec les histoires, vous voyez, de soins et angoisse. Moi, ça me fait penser à un psychologue, éventuellement. Vous voyez, les angoisses, c'est bah, c'est le mal-être psychologique.
surtout quelqu'un qui peut être dans ce genre de domaine, un conseiller quelconque, hein, et qui est en, vous voyez, donc là on a encore le côté médical, et qui est en relation avec l'étranger aussi. Bon, voilà ce que je peux dire, hein. Est-ce qu'on a encore une autre carte possible? C'est des adultes ici. Ah, oh, c'est deux fois les adultes. Ah, ben ça c'est une erreur. Attendez, je vais en mettre dans l'autre paquet. Alors, ici est la fin de quelque chose. Et il y a un sauveur. Alors, on va regarder. Est-ce qu'on parle d'autres cartes sur cet homme? Alors, le sauveur ou quelqu'un de puissant. Attention, puisque c'est Superman. Alors, aimer. Ben, ça, c'est des hommes qui aiment les enfants. Hein. Enfin, quand je dis aimer, dans le sens, comment dire, dans le sens prédateur. Hein. Ok. Chef, ouais, d'accord. Donc, il y a bien des histoires de chef. Hein. Chef. Et sage. Ok, ces cartes un peu bizarres. Bon, évidemment, j'ai sorti des cartes négatives. Alors, je risque de sortir des cartes positives maintenant. Chef et sage. Alors, sage, c'est qu'il y a quelqu'un de puissant ici qui doit donner des conseils. Des conseils. Des conseils, justement, pour ne pas aller droit dans le mur. Ici. Et pour continuer à faire ce qu'ils aiment. Ouais, donc il y a un trafic. On va demander, est-ce qu'il s'agit d'un trafic? Alors là, il y a des fourmis. Donc, il y a une organisation. Les fourmis, elles travaillent en groupe. Enfin, bon, vous savez, mais enfin, je vous le dis quand même. Pour vous expliquer pourquoi j'interprète cette carte comme ça. Bon, là, c'est vrai que c'est la carte des ennuis. Mais je vois aussi, évidemment, vraiment une organisation, là. Voilà. Puis en plus, les fourmis, ça pique. Hein. Donc, c'est des gens qui sont... Enfin, qui, alors, les fourmis, c'est pas des nuisibles. Parce qu'elles ont leur utilité. Mais... dans le cas de figure là où il y a le pique-nique qui est gâché, à quoi que, est-ce que c'est vraiment un pique-nique? Ah, c'est marrant ça, mais non, c'est pas forcément un pique-nique, m'a dit, ça peut être une termitière. Ah ouais, c'est drôle ça. Oui, bah oui, parfois je redécouvre les cartes, vous voyez. Oui, oui, c'est une termitière. Alors, une termitière, effectivement, c'est bien une organisation. C'est une organisation. Bah écoutez, voilà, il m'a répondu, est-ce que c'est un trafic? Oui, oui, absolument. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Que deviennent les enfants, éventuellement? Alors, il y a les questions de maison, de foyer. De se dépêcher. Alors, de se dépêcher. Ah ben, voilà. Que deviennent les enfants? Que deviennent les enfants? Je ne sais pas si je vais vous traduire ça. Hein. Parce que j'ai compris ce que ça veut dire, mais... C'est un peu comme dans le film Sound of Freedom. Hein. Enfin, j'ai pas vu encore, parce que... Bon, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de traduction. Donc, évidemment, pour le voir... ce serait mieux de le voir avec les traductions. Donc, j'attends un petit peu. Donc, je ne l'ai pas vu, le film. Mais ça parle bien de trafic d'enfants. Ce qui m'embête beaucoup avec ces cartes-là, c'est que là, vous voyez, on tranche quelque chose. Et là, ce ne sont plus des enfants, ce sont des ados. On va essayer de voir. Ça fait vraiment penser au film. Dépendre de... Ouais. Chez soi. Ouais. Bon, là, je me parle de cartes, c'est pas la peine. Hein. Mais il y a les questions de rapidité, vous voyez. En fait, ça fait penser à l'âge. Parce que là, ce ne sont plus des enfants, ce sont des ados. Donc, j'ai envie de dire, ça dépend de l'âge. Ça dépend de la vitesse de croissance. Et quand ils deviennent plus grands, vous voyez, en fait, j'ai des chiffres, là. Quand ils grandissent... Eh bien, à ce moment-là, voilà ce qui se passe. Bon, je n'ai pas trop envie de vous dire les mots, mais je pense que vous pouvez comprendre tout seul. Hein. C'est-à-dire que ces prédateurs-là s'intéressent aux enfants.
Mais quand les enfants deviennent des ados, donc quand ils grandissent, eh bien, ils ne sont plus aussi attractifs pour eux. Donc, dans ces cas-là, ils se servent de leur corps, mais d'une autre façon. D'où le fait de trancher ici. C'est horrible ce que je suis en train de vous sortir, je sais. Donc, à ma question, que deviennent les enfants? Eh bien, ils sont emmenés dans un endroit. Et quand ils commencent à, voyez, à grandir, donc le temps, en fait, c'est le temps qui court, ça. Hein. C'est le temps. Ici, le temps, je l'avais déjà là, donc je n'ai pas pu le ressortir une autre fois. Hein. Donc le temps qui passe, le temps qui s'accélère, eh bien, dans ces cas-là, voilà ce qui se passe. On va demander pourquoi est-ce que les vêtements ont été rendus à la famille. Pourquoi est-ce que les vêtements ont été rendus à la famille? Alors, pas directement à la famille, mais enfin, bon, ils ont été abandonnés. Dans un coin. Alors j'ai la carte se débarrasser, non? C'est la carte. Ah non, transporter, pardon. La carte transporter. Départ, déplacement. Bon, ok. Alors pourquoi est-ce que les vêtements ont été déposés, on va dire, de façon à ce qu'on puisse les retrouver, puisqu'il y avait les chaussures et les vêtements. Alors, je sais pas les vêtements, s'il y avait tous les vêtements, mais enfin, en tout cas, suffisamment. Donc, certainement, le t-shirt, le pantalon, quoi, je suppose. Hein. Les chaussettes, peut-être aussi. Pourquoi est-ce que les vêtements ont été abandonnés là? Alors, surveillance et apprendre. Surveillance et instruction. Prudence et instruction. Donc il y a eu des instructions. Ouais, bon, j'ai pas trop d'idées. Pourquoi est-ce que les vêtements ont été rendus? Des questions de surveillance et d'instruction. Bon. Mais quel est le message? Alors. Aplomb. Ah, d'accord. Ok. Déduction et vide. Ouais. Ben là, ils disent carrément que l'enfant ne sera pas rendu. Hein. Tout simplement. Hein. Perte. Le petit est parti, il ne reviendra pas. C'est ça le message, en fait. Et ça a été fait avec aplomb. C'est vraiment ça en fait. C'est le message qui se cache, c'est pas la peine de chercher, il est parti, il ne reviendra pas. Voilà. Tout simplement. Le chat a un regard intéressant. Hein. Bon, le chat, ça peut être aussi la trahison, surtout le chat noir. Alors, évidemment, c'est pas ce qui est marqué sur la carte, mais c'est un peu ça quand même, parce qu'on a ici un tigre et là un chat. Ce sont des prédateurs tous les deux. Hein. C'est aussi des gens qui se sentent en confiance ici, qui sont persuadés, ça j'ai aplomb, qu'ils ne seront jamais pris. Ils se sentent suffisamment en confiance pour délivrer ce genre de message et pour dire bah, il ne reviendra pas. Point. On va demander un peu si on peut avoir d'autres indices sur ces gens-là. Vous avez vu le tigre ici. Hein. Le tigre et le chat. Hein. Ouais, autorité. Ouais, donc en fait, ils ont redonné ça, effectivement. Ils ont fait ça comme un cadeau. Ah, tu parles d'un cadeau. Ils ont redonné les vêtements. Mais c'est pas comme un cadeau. C'est cadeau. Cadeau et captivité. C'est un cadeau qui n'en est pas un, hein. Une moquerie derrière ce cadeau, puisqu'encore une fois, on offre quelque chose, on redonne les vêtements. Donc effectivement, c'est bien la carte de offrir ou redonner. Mais regardez. Voyez? Mise à l'écart, captivité. Donc, détention. Non, mais le message est clair, c'est il ne reviendra pas et il est en captivité. Voilà. Donc en fait, c'est presque pour se moquer. C'est un faux cadeau. Hein. Jeunesse, oui, bon, ça. Lenteur, retard. Ouais, c'est pour dire vraiment que il
Il faut arrêter les recherches, ça ne sert à rien. Ouais, bon. Donc, c'est ça que je vois, moi. C'est des gens qui, en fait, ouais, ont aucune conscience, aucune morale, qui considèrent même, ah, c'est ça, qui considèrent même qu'ils font une faveur aux parents en leur disant, bah, c'est pas la peine de chercher. De toute façon, il est parti, séparé. Il est parti et il ne reviendra pas. Et il a été, voyez, en captivité. Voilà, enfermé. Bon. Donc, c'est pour ça, en fait. Voilà. Donc, voilà pour ce petit Yanis. Donc, on voit un peu ce qui se cache derrière. Donc, évidemment, eh bien, on le dit, on le redit, on le re-redit. Surveillez les enfants à tous les instants. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui guettent. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Au revoir.